Salut les filles, nous revoilà pour faire du nail art. Donc on va faire celui-ci, premièrement, sur ce nuancé. Donc j'ai déjà appliqué la première couleur de Sephora, la 52. Ensuite, je vais baisser. Nous allons commencer à appliquer le Laura Clovis. Et quelques gouttes dans un récipient. Notre pinceau. Je commence. On essaye de croiser un peu les traits, donc régulier, c'est pas régulier. Mettre un peu de vernis. Donc vous pouvez le faire soit avec du vernis et soit avec de la peinture acrylique. Voilà. Ce jour-là, donc on se revoit pour le prochain nail art. On va continuer pour le deuxième nail art. Donc nous allons faire le nail art avec celui-ci, léopard. Voilà. J'ai commencé déjà à appliquer mon vernis. Donc c'est le même que celui pour le zèbre de Sephora. Ensuite, je vais prendre mon vernis Kiko, celui-ci. Donc c'est un marron beige un peu. C'est le numéro 220. Et je vais faire des petites taches. Donc, comme ceci. J'essaie de les faire un peu plus grosses. On va prendre le marron de Sephora, le L45.
On voit pas trop avec la lumière allumée, c'est pas grave. Donc on met quelques gouttes dans un récipient. Le pinceau. Je vais prendre celui-ci. Je vais faire une petite tâche en fait, comme celui-ci, aux alentours. Voilà, on voit comme ceci. Ensuite, on va aller reprendre du marron. On va vous présenter encore des sortes de petits traits. Je vais en fait séparément. Voilà, mon deuxième nail art est terminé. Nous avons fait le zèbre, le léopard. Et là, nous allons faire une sorte de French dégradé noir et blanc. Voilà, nous revoilà pour le prochain nail art. Nous allons faire celui-ci. C'est une French dégradé blanche et noire. Aussi. J'ai appliqué mon rose pour pouvoir simuler un ongle en fait, et le blanc, la French. On va attendre que ça sèche un petit peu. Un petit peu pour que ça sèche. On continue, nous allons prendre le numéro 3 de Laura Chloé. On va carrément le déposer en fait. French. Normal en fait. On va pas plus loin que le milieu. Avec un pinceau, je vais prendre celui-ci. Je vais dégrader. Avec un petit mouton, on va faire la même chose. On va essayer d'être un peu plus précis. Hop. Nous allons attendre que ça sèche. On se revoit tout de suite.